On a longuement hésité à vous la faire cette vidéo, mais Vidéo vous trop avez intéressante. demandé. Vidéo trop intéressante. Là, même moi, je suis excité à l'idée de faire cette vidéo. Dans le sens où je sais que les gens sont friands de ça et les gens attendent. Ils attendent que ça, on est d'accord? Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer certaines choses, les potes. Vous avez pu le voir au titre d'ailleurs. On va découvrir tout ça en direct ensemble. On s'est dit avec Vava, mais attends. Il y a un site qui permet. Alors, c'est pas YouTube. On va pas directement aller sur le site YouTube pour vous montrer exactement combien YouTube nous rapporte tous les mois. Parce que de toute la manière, je crois que c'est interdit par YouTube dans le règlement de YouTube de faire ça. Mais de toute façon, si on a envie de vous donner une fourchette, on peut quand même le faire. Donc, s'il y a 50 000 likes sur cette vidéo, les gars, et je rigole pas, on vous donne vraiment le vrai salaire qu'on sort tous les mois avec Vava. On va aller regarder sur un site qui s'appelle Social Blade. Et d'ailleurs, je me suis dit, ça m'a illuminé tout à l'heure. Je me suis dit, mais attends, tout le monde y a accès à ces chiffres et personne n'y va. Personne forcément n'y va et est un peu curieux, donc on va analyser ça ensemble. Et Social Blade, parce qu'il y en a qui vont me dire, Romero, tu nous arnaques là. Je vous arnaque pas du tout parce que Social Blade annonce le salaire de chaque youtubeur. Voilà. Vraiment. Sauf donc, ceux qui bloquent Social Blade, mais c'est très très rare. Je crois que c'est les networks qui bloquent. Ouais, je crois que c'est les networks. De certains youtubeurs. Nous, en tout cas, il n'est pas bloqué, notre Social Blade, donc tout le monde peut aller voir. Enfin, c'est un algorithme qui évalue, entre parenthèses, ton salaire, etc., etc., toutes tes statistiques. On va se mettre d'accord tous. D'abord, pour se dire que c'est un peu des chiffres bizarres. D'ailleurs, on va vous expliquer. Justement, c'est pour ça que, justement, on va aller jeter un coup d'œil ensemble et on va découvrir ça ensemble. Comme ça, au moins, on va pouvoir en déduire ensemble. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. On vous a dit qu'aux 50 000 likes sur cette vidéo, on vous dévoile notre vrai salaire. Puisque là, on va voir à peu près ce que les sites ils disent. Il s'est énervé, il veut pas qu'on le dévoile, lui, notre salaire. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, on vous dévoilera nos plus grands secrets. Et n'hésitez pas à rentrer le code créateur duo dans la multi Fortnite, c'est très très important. En ce moment, vous êtes nombreux et nombreuses à nous exposer le code créateur, du coup, bah merci énormément. Alors, si on fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques mois, quand on était à Paris Games Week, on vous a fait une vidéo, les plus gros salaires des youtubeurs. Enfin, en gros, vous dévoilez les salaires des gros youtubeurs. Et en fait, vous aviez été nombreux et nombreuses à nous dire. Et vous. Et même encore sur les lives, ça nous charrie, même encore hier soir sur live, ça nous a charrié. Ouais, vous voulez pas le dire, vous voulez pas le dire. C'est pas qu'on veut pas le dire, mais presque. Mais du coup, on va le faire aujourd'hui quand même. Parce que, entre voilà. Les deux. Voilà, on est un peu mitigé parce que bon, c'est quelque chose qui est personnel. Genre, tu vas pas voir ton boulanger tous les matins lui demander combien il a gagné la veille. Enfin, ça, c'est des trucs qui se font pas. Mais voilà, les youtubeurs, c'est le salaire, c'est tabou, c'est le mythe. Donc, du coup, on va vous dévoiler tout ça aujourd'hui. Je sais qu'en vrai de vrai, même moi, je sais pas. Tu sais, c'est intéressant, même moi, de, tu vois, de savoir par exemple l'un et l'autre combien ouais, il gagne. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, c'est un peu un. C'est un peu malsain en vrai, mais je peux comprendre un petit peu les gens, on va dire contre ça, que les gens soient curieux, c'est bien d'être curieux, mais dans le respect en fait quand même, voilà. faut toujours que y ait du respect en fait dans le fond, parce que sinon bah tu vois c'est pas très cool, genre c'est pas comme Vava l'a dit, tu vas avoir par exemple quelqu'un que tu connais pas, tu demandes son salaire, ça se fait pas trop, mais après je peux comprendre quand même que... Ça intrigue, même moi ça m'intrigue, tu vois. On se retrouve sur ce site là. Alors qu'est-ce que c'est que ce site? C'est Social Blade. Alors tout le monde y a accès, mais comment c'est dit avec Vavas? Pas grand monde n'y va et connaît ce site en fait. C'est vrai. Et du coup, ce site ça permet quoi? Là, vous voyez en haut à droite, vous avez une barre de recherche. En gros, n'importe qui en fait. Et du coup, nous on est sur le nôtre. Voilà. Du coup, il y a énormément de chiffres là comme ça, je vais tout vous expliquer. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Social Blade Rank. En gros, ça c'est ton niveau. Sur Social Blade, donc on est 41 millième, 389. Countries Rank, donc ça c'est ton... On est 588ème en France. Ouais, c'est ça. Je crois, en vrai je sais pas du tout. Ensuite, là en haut, t'as des chiffres intéressants aussi, t'as le nombre d'uploads. Ça c'est tous tes uploads en public, parce que en tout, en upload sur la chaîne, on a plus de 2000 uploads. Ouais, donc là, c'est nommé 1478. 1478, ce qui est énorme les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2 ans et demi, 3 ans de chaîne, ça fait plus d'une upload par jour, bien plus d'une upload par jour. Du coup, bah, c'est énorme. Ensuite, en termes de subscribers, donc 641K, donc ça, on le sait. Ça, c'est nos vues en tout sur les vidéos, donc c'est intéressant de le savoir. 111 on a 111 493 000 vues, donc c'est énorme. D'ailleurs, on a dépassé 100 millions il y a 2 mois, je crois. Ouais. Environ. Ensuite, Country, ça, c'est là où on est, la France. Channel Chip, ça, c'est ton type de channel, en gros. Nous, on est en games, mais avant, on était en... Comment on appelle ça? Entertainment. Voilà, entertainment. Oh. Donc... En vrai, avant, on était en divertissement. Là, on est en games. Bon, ça change en fait. Ça dépend de ton type de chaîne. Vu que peut-être, je sais pas, c'est parce qu'on fait plus de vidéos qui sont IRL que de vidéos jeux vidéo. Mais vu qu'on fait des lives jeux vidéo, je sais pas. Alors, ça, c'est la date de création de voilà, la chaîne. Voilà, ok. Donc, c'était il y a 3 ans. C'était 2017. C'était il y a 3 ans, bientôt. Waouh! Mais ouais, ok, d'accord. Ensuite, donc là, on a vu ces chiffres-là. Ça, c'est ton grade de la chaîne. On arrive dans les chiffres un peu plus intéressants. Là, on arrive à l'endroit. Du coup. Là, ici, subscriber for the last 30 days. Bon, désolé pour mon accent anglais qui est pourri.
Là, on a pris 11K, donc en un mois. Voilà, wow. On prend 11 000 abonnés par mois. Voilà, enfin, c'était le mois dernier qu'on a pris ça. Donc, les 30 derniers jours. Ensuite, estime... Ah, ah, c'est ce que vous attendez tous. Là, on arrive. Là, on arrive. Attends, on va passer en dernière. Vidéo view for the last 30 days. Ok, donc 4 400 000, machin. Bon, ça, je sais que nous, avec Vavan, on a souvent ces chiffres-là en tête parce qu'on sait à peu près combien on fait de vues par mois. C'est quand même assez important, ouais, pour, ouais, les youtubeurs. Ça, nous, on fait entre 4 et 7 millions de vues par mois. Voilà. Entre 3,8 et 7 millions de vues par mois. C'est une moyenne, vraiment. En gros, vous pouvez dire 5 millions de vues par mois. Voilà. Ouais. En moyenne. Du coup. Total subscriber weekly, je sais pas ce que ça veut dire. Par semaine. Ok. Ouais, weekly. Bon, ça, c'est une courbe. Ok, ça c'est une espèce de courbe. Ok. Total video views. Alors total video views, encore une courbe. Ok. Monthly earning, donc ça se veut dire combien on gagne par mois, donc là il donne une fourchette et estimated. Yearly earning. Voilà, donc ça se veut dire par an combien tu gagnes, en gros une estimation. Donc on va commencer par le chiffre par mois, je pense que c'est celui qui intéresse le plus. Donc ils annoncent entre 1 et 16 200. La fourchette elle est grande, elle est trop grande. Ouais, elle est vraiment giga grande là. Elle est giga grande, parce que ça veut tout dire en gros, entre 1000 et 16 200, en sachant que les gars ça c'est même pas le salaire, on parle de salaire parce que bah, voilà c'est l'appellation, mais ça c'est notre chiffre d'affaires de notre entreprise. Du coup, quand je vous dis que ça veut rien dire, ça veut dire que si, imaginons, on a 1000 euros de chiffre d'affaires, pour bien que vous compreniez, parce qu'il y en a qui sont jeunes, qui regardent cette vidéo, en France, on paye des impôts. Donc ça veut dire, en gros, avec toutes les taxes et impôts ou quoi, en gros, vous enlevez environ 50%. Donc si on gagnerait 1000 euros de chiffre d'affaires, ça voudrait dire que on sortirait que 500 euros dans notre poche à nous. Voilà. Donc ça veut dire 250 euros de salaire avec chacun avec dans notre poche. Donc ça serait juste pas possible. Donc déjà, le truc, il est ultra grand. Et pour 16K, même si ça peut paraître énorme pour certains, du coup, tu divises ça par deux, ça fait 8K. Et ouais, tu divises encore ça par deux pour nos deux salaires. Ça fait 4K chacun, ce qui est quand même pas dégueu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qu'ils annoncent? Bah, c'est pas dégueu, mais c'est vrai que la fourchette est vraiment très grande. Genre, yes, en mode, il y a quand même un fossé entre 1K et 16K, quoi. Mm-hmm. Donc, après, je sais pas de laquelle on se rapproche le plus. Je crois qu'on vous dira pas. Mais on vous le dit s'il y a 50 000 likes sur cette vidéo. Par rapport aussi, il y en a beaucoup qui se posent la question. Après, on ira en dessous là pour l'argent qui s'estime par an. Mais par rapport aux vues, donc comme je vous ai dit, en moyenne 5 millions de vues par mois. Je peux vous le dire d'ores et déjà, comme ça au moins, il y en a qui sont pas de films. Ils vont dire ouais, mais 1 euro égale 1000 vues. Donc ça veut dire 5 millions de vues en moyenne par mois. Ça fait 5 000 euros par mois. Je peux vous dire que ce chiffre-là est faux. Ah oui, si, vous faites, si vous faites ce calcul-là, c'est faux. Parce que nous, pour vous dire, les gars. Le coût par 1000 vues, genre ça peut varier. C'est, par exemple, pour 5 millions de vues, on peut faire 200 euros comme on peut faire 10 ou 15 000 euros, tu vois. Donc ça peut vraiment varier. Je parle pour 5 millions de vues. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais pour vous dire, ne pas calculer sur les millions de vues. 1 euro et 1000 vues, ça n'existe pas. Et en plus de ça, on a un type de chaîne qui est monétisé d'une certaine façon. Mm-hmm. Moi, par exemple, je vais vous le dire honnêtement, hein, sur ma chaîne, pour moins de vues, je peux gagner plus que si on fait plus de vues sur Duo. Yes, parce que je suis en quoi, moi déjà? En vie pratique et style. Ouais, en vie pratique et style, et nous on est en divertissement. Il y a quand même un fossé entre les deux. Du coup, voilà. Bon, je suis pas trop active sur ma chaîne, mais en soi, c'est vrai que si j'étais aussi active que sur Duo, je gagnerais beaucoup plus que ce qu'on gagne sur Duo en fait. Donc là, par an, ils annoncent entre 12K et 194K. Ce qui est énorme, 194K. Mais encore une fois, une fourchette ultra grande. Et du coup, là. Ouais, non mais. C'est quoi ce fossé là entre 12K et 200K quasiment? 10K entre 10K et 200K. Voilà, en fait, c'est vraiment des chiffres. Mais ce qui est bien avec ce site, les gars, c'est que vous pouvez voir un peu les stats, etc., etc. Et vous pouvez vous faire une idée entre parenthèses des salaires des youtubeurs, voilà, que vous suivez. En sachant, comme je vous ai dit, vous vous dites, ok, entre 1 et 16K, c'est la moitié environ. Si vous prenez la moitié, il faut vous dire que les youtubeurs, c'est pas ce qu'ils reçoivent dans leur poche. Voilà. Et en plus de ça, par contre, bon, ça, on peut pas vous le révéler, c'est interdit. Mais aussi le code créateur. Il y a aussi les placements de produits aussi qu'on en fait. Les placements de produits, bon, c'est très rare qu'on en fasse, mais quand on en fait, bon, on est rémunéré pour ça, en fait, c'est notre métier, quoi. Il y a aussi les subs. Ouais, il y a les subs. En fait, ça comprend, genre là, que les vues, en fait, sur Social Blade. Je pense que ça compte pas tout ce qui est donations. Tout ça sur les lives, même les sponsors. Et par rapport au soutien créateur, ça on pourra jamais vous le dévoiler parce que c'est interdit par Epic Games. Je sais qu'il y en a qui font genre que ça leur apporte des V-Bucks, mais c'est absolument pas le cas. Ça rapporte de l'argent, voilà, je vous le dis. S'il y a des youtubeurs encore à ce stade en 2020 qui vous disent que ça leur rapporte des V-Bucks, c'est de la merde. N'écoutez jamais ça, c'est de la grosse merde. Est-ce que c'est intéressant? Mais moi j'ai trouvé ça grave intéressant de parler de ça. Je suis gênée! Mais non, faut pas gêner. Moi je trouve ça grave intéressant de parler de ça.
Mais au moins on est honnête, on vous dit ce qu'on sait et voilà. Putain, mais il me saoule avec sa gourde. Ah, moi j'ai tout le temps ma gourde. Ah, il me sort par les yeux avec sa putain de gourde. Je fais pas de sport, mais MyProtein quand même. C'est pas un placement de produit, hein. Ils nous ont pas sponsorisé. Mais si vous voulez nous sponsoriser, pourquoi pas. Bon, du coup. Envoyez-lui des gourdes en masse. Je dis ça, je dis rien. Faut savoir qu'avec Vava, on en a discuté aussi de ça en fait, avec Vava. Et moi, ça me dérange pas du tout de vous communiquer le salaire, mais Vava, c'est aller un peu plus. Comment on appelle ça, réservé? Bah en fait je sais comment réagissent les gens et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de le dire. Je sais que ça aurait été dans un autre pays, je l'aurais dit volontiers, mais en France comment je vois comment les gens réagissent, mais bah, en fait... Moi de toutes les manières je pars du principe que je m'en tape, les gens ils gagnent ce qu'ils gagnent et voilà. Nous, on est heureux, nous pareil pour les gens qui gagnent énormément d'argent, pour ceux qui en gagnent pas beaucoup, genre enfin on s'en tape quoi en gros. Et je sais qu'en France c'est une mentalité qui est très différente aussi. Après les gens ils ont la mentalité qu'ils ont, mais si... Enfin l'argent tombe pas du ciel. Et c'est des vidéos qui font polémique, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que toi vraiment tu le révélerais ou pas à 50 000 likes? Moi j'ai dit oui, moi je c'est volontiers, et toi? Je te laisserai le révéler, toi, moi je veux pas être impliqué dedans. J'ai l'impression genre c'est un meurtre, mais pas du tout en fait. Genre c'est juste que c'est dans la manière de le faire, je veux dire, moi je vais pas demander à mon coiffeur combien il gagne tous les mois. Mais est-ce que tu comprends que les gens je comprends que les gens soient curieux parce que c'est un nouveau métier, je comprends. Et ouais, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 10 ans environ que vraiment il y a des youtubeurs et que machin. Donc c'est vraiment super récent quoi. Genre, c'est vrai que quand tu dois parler de ça à tes parents ou quoi. Quand il y a des jeunes qui veulent devenir youtubeurs et qui doivent parler de ça à leurs parents, ils doivent les prendre un peu pour des fous. Ouais, ouais. Mais après, voilà, c'est... C'est un métier comme un autre. Faut vivre avec son temps. Nous, on a notre entreprise avec Vava, faut savoir, et que genre l'État reconnaît, entre parenthèses, ce qu'on fait, même si c'est pas totalement reconnu. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu flou aussi sur ça. C'est que les gens considèrent pas ça comme un métier, mais l'État, entre parenthèses... Bah, le considère. Ouais, l'État le considère. Même si t'es moins pris au sérieux, en fait t'es moins pris au sérieux quand tu dis quand tu vas voir un banquier, tu dis ouais je fais des vidéos en ligne. Genre c'est ça part un peu. La vraie appellation pour nous de notre métier, enfin de notre entreprise, c'est éditeur de vidéos en ligne. Donc on fait de l'édition de vidéos en ligne. Édition, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire en gros tu montes quoi en gros. Ouais, enfin tu les fais, tu les confectionnes. Fais une vidéo de A à Z. Confectionneur de vidéos en ligne. Réalisateur. Ouais, voilà. C'est entre parenthèses, en tout cas ça l'est de plus en plus reconnu. Gilles, au moins on brise la glace parce que je sais qu'il y en a énormément qui nous posent la question. Il y a énormément de questions. Après voilà, le site il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire vous pouvez voir le salaire de n'importe quel youtubeur. Donc en fait, ça m'a fait un peu ce truc là dans le sens où je me dis ouais, tu peux voir par exemple, il y en a beaucoup qui veulent savoir le salaire de un tel et un tel. Bah là vous pouvez justement aller voir sur le site et ça peut vous donner, comme je vous ai dit, un ordre d'idée. Même si moi je peux vous dire et je connais les vrais chiffres et c'est un peu faussé quand même. C'est pas un peu faussé, c'est très, très faussé. En fait, là pour nous, c'est pas hyper faussé non plus. Par contre, pour des très très gros, je vous le dis, c'est faussé. Go, attends, on peut aller voir sur ta chaîne aussi. Entre 72 euros et 1,2K. C'est faux. Enfin, genre, c'est pas. Ok. Environ 300 000 vues par mois, disent. Enfin, les last 30 days. Après, je sais pas combien en moyenne elle fait. Bah, c'est à peu près ce que j'avais dit en fait hein, dans ma vidéo. Dans ma dernière que tu vidéo. Tu gagnais environ entre 500 ouais, 000 euros. Ouais, c'est voilà. À peu près. Ah non, entre 300 et, entre 300 et 1000. Donc, pas le même type de chaîne, donc c'est pas comparable en fait. C'est vrai. C'est même pas comparable. Cette vidéo touche déjà sa fin. On fait pas cette vidéo pour faire polémique, les potes. Donc restez courtois et polis et respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. Que ce soit par rapport à nous ou que ce soit par rapport à d'autres youtubeurs. Chacun gagne sa vie comme il gagne sa vie. Je pense que personne peut juger, on va dire, ouais, ce que font les gens. Donc c'est pas illégal ce que tu fais ou autre. Mais je pense que voilà, chacun doit être respectueux envers autrui par rapport à comment il gagne sa vie. Voilà, tout simplement. J'espère que mon message sera pris en compte et que ça ne sera pas la troisième guerre mondiale dans les commentaires, s'il vous plaît. Ouais. Merci d'avance de nous avoir écoutés. Merci de regarder nos vidéos tous les jours, les potes, parce que bah, tout ça aussi, c'est grâce à vous. Et vous inquiétez pas, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, on n'oubliera jamais ça. Merci encore pour tous les potes. On se dit à ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace !